Bonsoir à tous. On est un petit peu nombreux, j'espère que tout le monde a réussi à trouver une place. Alors pour une fois, j'avais pris un truc, mais j'ai perdu mes lunettes. Donc du coup, c'est raté encore. Je vais essayer de penser à tout le monde. Déjà, je voudrais remercier Peggy, donc la directrice du TAC, de nous accueillir ici et de nous permettre de vivre toute cette aventure de l'option. C'était la première chose. Je voudrais remercier Guillaume et François qui ont fait la technique avec nous pour le bac et François qui est là ce soir pour la technique. Sacha, notre élève de première qui a fait la sono pour nos élèves du bac, qui a super bien géré, donc on le remercie beaucoup, beaucoup. Je voudrais remercier... qui a repris la com de l'option depuis un mois à peu près, et à cause de qui on est beaucoup trop nombreux ici ce soir, puisque on n'a pas bien géré le quota. Mais c'est super gentil d'être venu, donc merci beaucoup. Je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu en quoi consiste le bac cirque. Donc les élèves, en fait, ils ont, on va dire, une petite année, puisque maintenant le bac est au mois de mars, malheureusement, pour préparer un numéro de bac qu'ils doivent écrire eux-mêmes. Donc ils ont 5 minutes pour faire leur numéro, pour le passer sur scène. Ils doivent choisir une thématique, ils doivent référencer leur thématique, ils doivent l'argumenter, ça veut dire qu'ils doivent faire des recherches, ils doivent se renseigner, ils peuvent faire des enquêtes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils doivent préparer leur bande-son eux-mêmes, ils doivent choisir leur lumière. Donc bien sûr, on les guide et on les aide si besoin, mais la plupart des choses viennent d'eux, puisqu'ils ont tous plein de choses à dire, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir par vous-même. Donc en général, le bac se passe de la façon suivante, c'est qu'ils doivent envoyer au jury une note d'intention, ça veut dire qu'ils écrivent un petit synopsis de leur numéro, et les jurys l'ont avant de venir évaluer les élèves. Donc comme on voulait un petit peu vous montrer exactement comment ça se passe pour le bac, on va refaire exactement la même chose. Les élèves vont venir vous présenter leur numéro, alors, de façon très succincte, hein, pas du tout de la même façon qu'ils doivent le faire pour le bac, et ils l'ont fait chacun à leur façon. Et ensuite, eh ben, ils vont repasser le bac une deuxième fois devant vous. Il faudra être juste un petit peu patient parce que dans leurs 3 années, ils apprennent aussi à gérer leur propre technique, ça veut dire qu'ils font leurs accroches, ils font leur montage et leur démontage. Donc il faut leur laisser simplement le temps de faire tout ça tranquillement. Voilà. Je vais laisser la place à la première candidate qui va venir se présenter et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonsoir. La vie est quelque peu encombrante. Passons. Je m'appelle Tisha Boulay-Damiron et je serai la première à passer. Voilà, c'est moi qui ouvrirai le... Pardon, excusez-moi, my bad. C'est moi qui ouvrirai le bal. Je fais du fil, la spécialité fil. C'est d'ailleurs pour ça que je commence, car c'est une spé quelque peu encombrante et assez embêtante à monter. Vous y arrivez? Pardon, excusez-moi. Vous souvenez-vous de vos rêves d'enfant, de ce que vous vouliez devenir plus tard? Vous souvenez-vous avoir grandi? Ce soir, je vais vous partager mes rêves, mes peurs, mes sentiments que j'ai ressentis durant ma courte existence qui prendra un an de plus lundi prochain, 3 avril. Vous pouvez noter, merci de ne pas oublier. Mon numéro s'intitule « Orchestre de lumière », un titre que je n'ai bien évidemment pas trouvé, qui a été trouvé par un jeune homme quelque part par là. Je n'en sais pas plus. Le seul petit conseil que je peux vous donner pendant mon numéro, c'est ouvrez bien les yeux et soyez attentifs à ce que je vous raconte, parce que c'est assez intéressant. Enfin, il me semble.
Maman, tu sais, quand je serai plus grande, je voudrais devenir inventrice. Je créerai plein de choses pour aider les gens, surtout un robot ménager pour mamie. Ou alors je serai dompteuse d'Otari pour faire des spectacles dans les eaux. Et tu sais, maman, quand j'aurai du temps libre, je ferai des concerts de violon. Je serai une grande violoniste, connue et riche. Comme ça, vous pourrez arrêter de travailler avec papa. On habitera tous à côté. Et ma maison, c'est moi qui l'aurai dessinée et peinte. Maman, j'ai hâte d'être plus grande. Papa, ça me gave le collège. Tout m'énerve, les profs, les gens. Ça me saoule. Je comprends rien à ce qu'on me dit. À ce qu'on me demande, quoi. Je suis grande, je suis petite, je sais pas. Non mais vraiment là, les profs, ils nous connaissent pas et ils se permettent des réflexions, mais déplacées. Il y a zéro respect. Non mais je te jure, ils ont cru ils étaient qui? Mais de toute façon, pourquoi je t'en parle? Tu vas prendre leur défense. De toute façon, tu sais quoi, tu comprends jamais rien. Personne ne me comprend. Je suis discriminée. Je te le dis, je suis une personne discriminée de la population. Tu m'entends? Comment ça, j'exagère? Mais t'es malade? T'es pas là, tu peux pas savoir. Ouais. Pour toi, je suis juste une grosse lémarde, c'est ça? Ouais, je vais aller travailler. Bla 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 bla. Vas-y, tu saoules. Je peux jamais rien te dire. Maman, j'ai peur. Peur de grandir. On ne m'a jamais rien appris. Comment je peux savoir ce qu'il faut faire? Comment être? Imagine, on ne m'aime pas. J'ai peur qu'on ne m'aime pas. J'ai peur qu'on me rejette. On ne m'a pas appris ça à l'école. On ne m'a rien appris tout court. Je ne sais pas ce que je veux faire. Comment je pourrais le savoir? J'ai 18 ans. Maman, j'ai 18 ans. Comment veux-tu que je sache ce que je veux faire du reste de ma vie à 18 balais? On ne m'a rien dit, juste trop demandé. Je veux pas grandir. Je sais même plus ce que j'aime ou non. J'ai plus aucune motivation. Maman, laisse-moi devenir un chat par pitié. Au moins, lui, on lui demande pas ce qu'il va faire plus tard. Comment gagner sa vie, remplir des papiers dont tu ne comprends rien. Appeler Pôle emploi pour renouveler, mais je ne sais quoi. Le permis, le loyer, le travail, le mariage et les gosses. Maman, mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai peur. C'est obligé. J'aurais pas de thune, j'aurais pas de taf, obligé quand j'aurais pas de toi. On n'a jamais eu le choix, on nous a jamais rien demandé, et là, on a rien d'un coup, on grandit. Est-ce qu'on a demandé quelque chose à quelqu'un? Non, merci. Donc au bout d'un moment, pourquoi on grandit? Pourquoi on est obligé? Pourquoi? Thank you.
T'es un cercle vicieux divagant. La boucle passe à travers le monde. Soudoyant ainsi l'histoire que le temps laissera par la suite choir. Au milieu du vide est donc déposé l'infime assise du nouveau-né, le destinant ainsi à se résoudre, à se mouvoir dans le giron de cette poudre. Cependant, l'ignorance de l'origine se transforma en horrible passion, submergeant en cette façon l'être complexe quant à ses racines. C'était doux et chaud. L'abandon, l'esprit, la peau. Ils étaient là, l'effleurant lentement. Le contact était presque perceptible. Il fallait les écouter pourtant. La profonde déchéance produit le pas, offrant ainsi le savoir et l'aura. Les cellules détachées font couler la sève des arbres, d'autant plus refroidissent le marbre, mais peuvent être recollées. Flottez pour comprendre que le passé est votre socle tendre, et par son truchement, votre âme conscientisera le temps, devenant ainsi l'assise de vos enfants. Thank you.
Bonsoir. Je suis très heureux ce soir de parler pour la première fois dans un microphone SN58. Donc moi, je m'appelle Yann Berdilière et ma spécialité, c'est les acrobaties. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un numéro qui s'intitule Acrobique. Le principe, c'est que je fais des acrobaties sur le thème de l'alcoolisme, en fait. Chose à vous dire avant que ça commence. Donc voilà le nom de ce spectacle, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Cabaret, parce qu'on est un peu fou. Et quand on a dû choisir le titre, j'ai proposé beaucoup d'idées, mais elles n'ont pas été retenues, mais j'aimerais bien vous en faire part. Est-ce que vous voulez les écouter? Oui! J'entends pas. Oui! J'entends toujours pas. Oui! Alors, allons-y. Le premier, c'était le cabaret mandat. Ensuite, le cabaret flexion. Puis nous avons le cabaret de bus. Pour les gens un peu philosophiques, nous avons le cabaret prospective. Puis nous enchaînons sur un cabaret de chaussée. Sinon, on l'a tous chez nous. Et pour finir, le cabaret témoin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai oublié mon favori, je suis désolé. C'est le cabaret du cul. Thank you.
messages, vocaux, swipés, accro, monde réel, story, connecté, addiction, réel. Tous ces mots peuvent représenter la nomophobie. C'est la peur d'être séparé de son téléphone parce qu'on est trop accro. Mon numéro va parler de ce qui impacte l'ensemble de la société dès le plus jeune âge. C'est un sujet important dans lequel on peut tous se reconnaître. Vous, moi, tous. Et donc, vous l'avez compris, je vais parler de l'impact des écrans dans la société. Et je vous laisse découvrir mon numéro. Thank you.
Ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose. Vous connaissez peut-être René Descartes, le philosophe. Eh bien, un jour, il a dit que nous pouvions douter de tout, sauf de nous-mêmes. Mais comment faisons-nous lorsque nous commençons à douter de tout ce que nous représentons et tout ce que nous sommes à l'intérieur? On parle ici de personnes transgenres. Des personnes qui, à la naissance, sont assignées à un genre et qui, en grandissant, se rendent compte que ce genre ne leur correspond pas. Et non, ce n'est pas un choix. Enfin, c'est le choix d'être heureux. Parce que lorsqu'on se bat entre la souffrance psychologique et celle venant des autres, tout ce que nous souhaitons, c'est nous sentir bien dans notre peau. Tout ce que nous souhaitons, c'est apprendre à respirer après des années d'apnée. C'est une très jolie petite fille. Ah, elle vous verra plus tard. Elle fera fureur auprès des garçons. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't on the floor. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. Finally, you would dream where you are now. Fabric and structure of existence itself.
tous. À force qu'on me demande quel était mon numéro, j'ai une phrase toute faite que je dis à chaque fois. C'est un carré dans un carré. J'ai fait une petite illustration au cas où vous aviez du mal à imaginer. Donc le carré dans le carré. Voilà. Mais pour l'occasion, je me suis dit que j'allais essayer de développer un petit peu plus le concept quand même. Du coup, ces carrés insinuent une suite de carrés sans fin. Pourquoi le carré ? Le carré est d'une forme stricte. Lorsqu'on est dans un carré, on est enfermé. Enfermé par des inventions politiques, sociales. Reste à savoir si on se résigne ou si on essaye de voir ce qu'il y a au-delà. Si on se conforme ou si on avance. Mais quand on avance, on finit par se heurter à cette réalité. Nous ne sommes jamais réellement libres. Et voilà.
Comme les autres, j'ai un texte de présentation, mais le mien, il va surtout s'adresser à ma famille, du coup, surtout mes parents, Claire et Hervé Brunel, qui sont très certainement dans le public. Entre nous, il y a des choses qu'on se doit dire, et des choses que je ne vous dirai jamais, parce que ces choses me pèsent, et vu que vous êtes mes parents, vous aurez un regard sur ces choses que je ne pourrai jamais vous dire. Et là, j'ai choisi que c'était la meilleure occasion pour le dire. Du coup, papa, maman, je vais vous demander d'être très attentif, parce que je suis votre enfant, votre fils, et que j'aimerais que vous m'acceptiez tel que je suis.
maman, pourquoi je peux pas avoir les mêmes jouets que mon frère? Et pourquoi on n'apprend pas les mêmes choses? Et pourquoi on peut pas s'habiller pareil? Thank you.
Bonsoir. Moi, c'est Louise. Et je fais du maman avec Bérénice. Mais elle est encore. Ah, voilà. Du coup, moi, c'est Bérénice. On fait du maman, on est le duo de la promo, en fait. On n'avait pas trop le choix, puisqu'on est notre agrée. Et donc ce soir, on va vous parler, notre numéro raconte le dérèglement climatique. Comme c'est un sujet très vaste, on s'est concentré sur son impact sur notre société. Donc on va vous laisser regarder ça, mais surtout ne vous sentez pas visé. Ou un peu quand même. En 20 ans, nous avons produit autant de plastique que dans toute notre histoire. Aujourd'hui, l'humanité est menacée par le monstre qu'elle a créé. Comme dans le conte de Frankenstein. Sauf que là, ce n'est pas une fiction. Le monstre, cette fois, est bien réel. Il se cache dans nos bouteilles, dans nos vêtements, dans nos bâtiments, dans presque tous les objets que nous utilisons. Il met en danger nos existences, nos mers et nos océans. Et si nous ne voulons pas que l'histoire finisse mal, il va vite falloir la changer. Pollution des sols, des rivières, dégradation des coraux.
CO2. Les entreprises produisent toujours plus de plastique car elles n'en payent pas le coût pour la nature et la société. 1 million de bouteilles plastiques vendues chaque minute dans le monde. Manque d'infrastructures, manque de volonté politique, manque d'informations. Tout manque, sauf le plastique.
Je mène la vie d'un sage.
de mon travail. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. Mon bonheur est tombé, on m'appelle Saint-Bé. Il s'habille de chair, d'atomes, de muscles, de graisse et de peau. Il s'anime de contact, d'eau, de respiration et d'émotion. Il subit regards et pensées, les pensées de sa propre intériorité qui le méprisent et tirent sur les fils de ses membres comme s'il n'était qu'un objet sans vie.
À corps perdu, il s'efforce d'harmoniser l'esprit au son du corps qui fera vibrer le cœur. Alors avec un cœur doux et un corps meurtri, l'esprit se réconcilie.
La vie est comme l'eau qui coule. Elle coule indéfiniment, jusqu'à ce qu'elle s'arrête brutalement. Plus l'eau coule, plus notre vie diminue. Notre impact joue de jour en jour. Au début, l'homme s'adaptait au rythme de la nature. Puis l'homme a blessé la nature sans prendre son bien en considération. L'homme a surexploité toutes les ressources de la terre, dont l'eau, qui est essentielle à notre vie. Désormais, l'homme commence à prendre conscience et cherche à réparer ses erreurs. Mais le temps avance. Nous constaterons nos dégâts lorsque notre sablier de temps sera écoulé.
cœur. Marie. Marie, notre patrette. Nous t'avons écrit un petit mot, mais ne t'inquiète pas, ce papier-là, tu n'auras pas besoin de le rendre à l'heure au lycée. Car, tu sais Marie, les pâquerettes ont les premières fleurs à éclore au printemps. Alors oui, tu dois être une pâquerette tardive. Mais on t'excuse, car même en arrivant en retard en cours le jeudi matin à 8h, ce qui, entre nous, se comprend, tu es toujours de bonne humeur, prête à nous communiquer tes plus beaux sourires et toute ta positivité. On t'écrit donc ce texte simplement pour te dire un grand merci pour ces 3 années intenses. Merci de toujours avoir été là, de nous avoir appris à monter sur scène, à prendre confiance en nous et à compter les uns sur les autres. Merci surtout d'avoir été à l'écoute, avec beaucoup de compréhension, d'acceptation et d'amour. Merci Marie. Et vous avez été extrêmement courageux et je tiens vraiment à vous le dire. Voilà.